ceux d'entre vous qui ne le sauraient pas, le Chicago Place est le plus grand centre commercial de Chicago. Et c'est à la période de Noël que les commerçants font leur plus gros chiffre d'affaires. À la fin de chaque grosse journée, 57 détaillants vont déposer leurs recettes dans le coffre-fort du sous-sol. Une fois par semaine, un véhicule de transport de fonds passe prendre l'argent pour le compte de la Northern Trust Bank. Le dernier passage avant Noël, le plus important, est prévu pour le soir du 24 décembre. Le soir du réveillon, il devrait y avoir 10 à 12 millions de dollars en petites coupures non numérotées rangées dans ce fameux coffre-fort. Que t'offres à Kat pour Noël? Oh, elle voulait une semaine aux Caraïbes pour faire de la plongée. Mais tout ce que j'ai pu lui acheter, c'est un tuba pour s'amuser dans la baignoire. Toi, t'as bien écouté le Père Noël. Vos finances ne vous permettent pas de l'épater. Alors montrez-lui que vous l'aimez. C'est parti. Ça doit faire mal. On y va? Une simple agression alors qu'on attendait un braquage. Mais le devoir nous appelle. Fin de l'arc, ça va pas être facile. Bon, t'es pessimiste. Appel à toutes les unités. Ils sont armés. Mettez-vous à l'abri. Ils arrivent! Attention! On se calme et on reste tranquille! Van Hoo! Où ça se passe bien, où ça se passe mal? À toi de choisir. Morgan! T'es mort! Allez, allez, pas de bêtises! Jetez vos armes! Hé, hey, ne sortez pas! Rentrez! Retournez à l'intérieur! On y va! Lieutenant. Chef. Vous êtes suspendu en attendant la décision de la commission d'enquête. Mais chef, je... Armes et badges. Joyeux Noël.
Quel fumier. Le dragon fantôme terrorisait Chinatown depuis 8 mois. Tu me mets hors d'état de nuire, et au lieu d'être félicité, t'es viré. Je crois que j'aurais dû laisser Van Hoo te tuer. J'aurais fait preuve d'une admirable retenue. On navigue en plein délire. Les crapules passent à la télévision, les gens honorables et les flics sont traînés de la boue. Qu'est-ce qu'il disait ton père déjà? À Chicago, il y a 2 trucs réglo, les combats de boxe et la roulette. C'était vrai, et ça l'est toujours. T'as besoin de quelque chose, d'argent ou de quoi que ce soit, tu m'appelles, et c'est pas. Merci. Chérie. Oui, je veux bien un diplôme d'ingénieur aussi. Je ne sais pas qui a rédigé ces instructions, mais il ne devait pas être très bon en traduction. Ah, ah. Merci. Qu'est-ce qui se passe? Je suis tellement contente de te retrouver entier. Ah, je vais être souvent à la maison pendant ces vacances. Tu es suspendu pour combien de temps? J'en sais rien. Le pire scénario, ce serait que je sois viré pour de vrai. Que tu perdes ton job? Mais c'est inacceptable. Le citoyen innocent que j'ai blessé est le vice-président de la Lotus Flower Society. C'est presque le maire de Chinatown. Je ferai jamais le poids contre lui. Bon, je sais que tu n'aimes pas que j'aborde le sujet. Oh, Kat, je t'en prie, chérie. Je ne parle pas de faire des rondes avec une torche au plaza, Morgan. Il y a bien d'autres métiers dans la sécurité. Des métiers qui rapportent. Et je n'aurai plus à m'inquiéter de savoir si tu rentreras vivant. Tu le savais. J'étais déjà flic quand tu m'as épousée. Je n'aime pas ce mot. Pourquoi? Tu sais pourquoi. Mon père a fait des tas de choses irréprochables. On s'égare, ça sert à rien. Essaie de passer capitaine, alors. Tu serais un peu moins en danger. Oui, le concours ne serait pas un problème. Mais il y a le règlement. Et avec la suspension, inutile de rêver. Mon contrat chez Goldsmith arrive à terme. Il ne sera pas renouvelé. Pareil pour les cartes de crédit. Je le sais. On pourrait envoyer les enfants à Sutherland? Une école publique dans cette ville, dans mes quatre, tu plaisantes ou quoi? Tu as une meilleure solution? J'en sais rien, je sais pas. Je trouverai un moyen, c'est promis. Ouais. Ma beauté. Tu étais excellente, ma chérie, tu étais excellente. Bravo, tu as été formidable, je suis fière, très fière de toi. Oh, toi, tu dois pas connaître les Spice Girls. Si, je les connais, mais elles ne m'inspirent pas du tout. Mais... Hé, hey, viens, 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 viens.
Ma filleule vient de me clouer le bec. J'ai besoin d'un verre. Et toi? Oui, s'il te plaît. Non, non, pas pour moi. Il doit retourner à l'hôpital. Je croyais que la guérison était en bonne voie. C'était le cas. Mais la leucémie reprend le dessus. Elle gagne du terrain. Il a besoin d'une greffe de moelle osseuse. Ça coûte 25 000 $. Oh mon Dieu. Où est-ce que tu vas trouver autant d'argent? Tu peux me le dire? Oh mon chéri, ça va? Bonnes vacances, lieutenant. Tu veux dire joyeux Noël, Jimmy. Apprends à être politiquement correct. Je le serai quand vous le serez. Votre fille a du talent, Madame Morgan. Oh, votre fils aussi, c'est bien votre fils? Oui, merci. Kat, je te présente Jimmy Scalzetti. C'est un des meilleurs dans son domaine. Vous devez être très doué, car mon époux est plutôt avare de compliments. Je me suis mis à la retraite. Ah, c'est une bonne nouvelle pour nous deux. Quand on a été voleur, on l'est pour la vie. Oui, Jimmy était fort, mais... pas invincible. C'est Morgan et moi qui l'avons envoyé en prison la dernière fois. C'était quand, Jimmy? 96? Laisse tomber, Rich. Il a pris sa retraite. Il a arrêté. Tu t'es égaré, Jimmy. Le jamboree des malfrats, c'est pas ici. Bonsoir. J'ai été ravi de vous rencontrer, madame. Moi aussi. Ouais. Tu l'as congédié avec beaucoup de classe. Le soir du réveillon, il y aura entre 10 et 12 millions de dollars en petites coupures non numérotées dans le coffre-fort du sous-sol. Super. Des questions? Simulus, je sais que tu as des questions. Tu as toujours des questions. Ça serait pas plus simple d'attaquer le fourgon une fois qu'il sera passé pour prendre le pognon? Non, je pense pas. Il faut que le fourgon reste intact le temps qu'on puisse prendre la fuite. D'accord. Alors Patrick et moi, on s'occupe des otages. Joyner conduira le fourgon, on gagnera du temps. Et les frères Dynamite, ils sont là pour quoi? Pour faire diversion et calmer le jeu. Compris, Simulus? Faire diversion et calmer le jeu. Ça te pose un problème? Non. Tant que tu gères ton débile de frère. Je croyais que vous aviez réglé ça. Allez, au boulot. Je crois que je vais retourner travailler. Ça m'évitera de trop penser au dîner du réveillon. Ta mère arrive à quelle heure? Cornelius Morgan? Oui? À 8 h. Joyeux Noël. Où? Joyeux Noël. Bonne fête, monsieur. Dis-lui d'apporter sa liqueur. C'est déjà fait. Qu'est-ce que c'est? Monsieur Wong réclame 40 millions de dollars de dommages et intérêts. Oh, chouette, formidable. C'est vraiment tout ce qui nous manquait. Oui, et le plus grave, c'est que je suis appelé à comparaître en tant qu'accusé. Oh mon Dieu, mais qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Ça te dirait une bataille de boules de neige? Allez, les enfants, venez. Tu crois que c'est une plaisanterie? Oui, une super plaisanterie. Non mais t'es bête ou quoi? Allez, dépêchez-vous. J'arrive. Je suis pressée. Quatre. Bravo, Morgan. Je peux être fier de toi. C'est pas Noël tous les jours. J'ai fait un effort. Bienvenue les filles, vous êtes en forme? Les bonnes nuits de Noël. Parce que tu es le seul avocat en qui j'ai confiance.
Et je pense que si je te le demande gentiment, tu me feras peut-être même un petit peu, non? Le 26, ça te convient? Ça va être très bien, ça. 14h. T'as pas changé d'adresse? Non. J'en mets encore un petit peu. Merci, vieux. Joyeux Hanouka. Joyeux Noël. Voilà. Revenons à l'information principale de la soirée. Avec cette explosion dont vous pouvez découvrir les dégâts. Permettez-moi de vous donner un petit conseil, Cornelius. Est-ce que ça concerne votre liqueur? Non. En plein centre de... Mais c'est tout aussi intéressant. Je crois que dans un couple, on ne devrait jamais laisser le soleil se coucher sans avoir fait l'effort de se réconcilier. C'était Tina Chen pour Channel 6. Nous avons besoin de toutes les unités disponibles. Brigade de déminage, brigade d'intervention spéciale. Ouais, le plus vite possible, je vous rappellerai. Oui, allô? $50 que j'ai le poseur de bombes. Eh oh, tu me dois déjà $20. Les adeptes de Lucifer. T'as l'air bien sûr de toi. Ils ont déjà posé des bombes à Montréal, Buffalo, Toronto, ils avancent vers l'ouest. C'est ça, on n'est pas sortis de l'auberge. Tu veux que je vienne t'aider? Ah non, ça serait mal vu, j'ai pas envie de me retrouver à la circulation avec toi. Alors tiens-moi au courant. J'essaierai. Lorsque votre maman était petite fille, nous faisions exactement la même chose. Elle adorait ça, et je suis sûre qu'elle s'en souvient encore. Sachez que tous vos conseils sont les bienvenus. Bon, les enfants, papa va faire la paix avec maman. Quand on rentrera, vous pourrez ouvrir un cadeau. Mais un seul. Ouais. J'ai dit un seul cadeau, pas deux. Allez, faites-moi un cadeau. Oh, dis donc. Je n'arrive pas à me décider. Ce n'est pas évident. Je prends celle-ci. Oh, excellent choix, oui. Un paquet cadeau, bien sûr. Je vous fais ça en vitesse. Et voilà. Félicitations, monsieur. Je suis persuadée que ça lui plaira. Non, rien. Merci. Joyeux Noël. Joyeux Noël. Le centre commercial ferme ses portes. Merci de votre visite. Allez, file. Le magasin va fermer. Il faut que je voie le Père Noël. Je dois lui dire ce que je veux comme cadeau. Oh, juste au moment où j'allais me débarrasser de ce costume de clown. Père Noël! Oh, doucement! Joyeux Noël, petite princesse. Je veux une trottinette bleue, un vélo 10 vitesses, un ordinateur avec internet haut débit et accès illimité. Une console de jeu et un autre chien, parce que celui qu'on avait a été écrasé par un chasse-neige. Parfumo Pointe de Cayenne. Thank you.
traité. Mais oui, bien sûr. Désolé, chérie. S'est écroulé. Comment elle l'a pris? Je sais pas, on n'a pas de nouvelles. Soyez pas idiot. L'argent est assuré. Et vous? Monsieur, je n'ai aucun doute. Vous êtes forcément un professionnel. Mais la police sera là d'une seconde à l'autre. Personne n'a jamais osé s'attaquer à ce grand centre commercial. Garde tes conseils. Entrez. Vite. Tu fermes. Avancez, maniez-vous. Entrez là-dedans. Allez, on avance. Rachid Buckley. Rachid, où se trouve la cassette reliée au centre de télésurveillance? C'est celle-ci. Bon, c'est parfait. Il ne te reste plus qu'à remplacer celle d'aujourd'hui par celle d'hier. D'accord? Pourquoi? Ça m'évitera de te tuer. Cette tête-là, vous serez chez vous pour Noël.
qu'est-ce qui se passe? Un type, il nous a piqué le coffre. C'est quoi ce plan? Réveille-toi. Les oreillettes. Toi, tu surveilles les portes d'entrée. Toi, prends Simulus et ramène-moi mon blé. Allez, vite, vite, vite! Ça va? Ouais. Tu veux jouer? D'accord, on va jouer. Un parapluie avec des coussinets dessus. Père Noël, t'apprends tout ce que tu demandes, il ne restera plus rien pour les autres enfants. Allons, sois. Qu'est-ce que vous voulez? Tenez, prenez tout, ne faites pas mal à ma fille. Personne, oui, personne. Oui, deux adultes, un enfant. Il est vu en bas. Père Noël, au secours, sauvez-nous. Le Père Noël n'est pas payé pour jouer les gladiateurs. Qu'est-ce que tu nous fais, toi? Avance. Bouge. Allez. Avance, ma chérie. Le voleur, il est au niveau 4. D'accord. Entrez dans l'entrepôt. Simulus. Niveau 4, c'est un flic. On est mal barré. Il suffit qu'il brise une vitrine de magasin. Toutes les sirènes du centre commercial vont se mettre à hurler. Je m'en occupe. Enferme-les. D'accord. Le 24 décembre, je réponds pas. Je vous accompagne au parking? Non, ça va aller. Vous pouvez rentrer. Joyeux Noël. Joyeux Noël, madame Morgan. Bon sang, réponds. J'espère que tu es loin. Il faut vous le dire en quelle langue? C'était pas les adeptes de Lucifer, on n'a rien à voir avec eux. Bah eux, ils ont un problème avec vous. Réponds, Rich. J'écoute. Allô? Allô? J'ai jamais vraiment eu l'intention de tuer un flic. Mais c'est un cas de légitime défense, on me vole mon pognon! Privé de mon petit cadeau de Noël, c'est ça? J'ai pourtant été vachement sage cette année.
Bonsoir. Je m'appelle Kat. Al Quigley. Bienvenue au réveillon de Noël des travailleurs acharnés. Jamais Noël. Darcy, c'est Joyner de retour du centre commercial, tu sais. Qu'est-ce qui se passe, Trésor? Je sais pas. On a eu un problème. J'ai calé. Il n'y a plus de jus. Impossible de bouger. Je suis coincé, immobile dans la neige. Donne-moi ta position exacte. South Drive et Balbel. Je t'envoie une dépanneuse. Reste au chaud. Et elle sera là dans combien de temps, d'après toi? J'écoute. T'as environ une heure. D'accord, à bientôt chez le Père Noël. N'oublie pas mon petit soulier. La porte. Exact. Pourquoi? Parce que quand la porte s'ouvre, Parce que quand la porte s'ouvre, le séparateur apparaît, le contact s'établit, le circuit s'éteint, et qu'est-ce qui se passe? Boum! J'aurai ta peau. Calme-toi, chérie. Essaie de penser à tous les beaux cadeaux que tu auras. Oui. L'ordinateur avec accès à Internet illimité. Ton joli vélo tout-terrain.
la console de jeu, la trottinette, le parapluie avec des coccinelles. Seigneur, tes enfants réunis ici sont désemparés. Ils ont peur. Ne les abandonne pas en cette nuit sacrée. Envoie-nous un ange, un sauveur, qui nous délivrera du mal. Plus de munitions ? Pas de bol. Meilleur pote, tu vas me le payer cher. Thank you.
Allez, montre-toi. Tu pourras pas te cacher longtemps. Ça veut dire que j'ai jamais joué au hockey. Troisième niveau, dans les toilettes. J'ai besoin d'aide. On arrive tout de suite. Vous avez le blé? Non, mais je sais où il est. Maintenant, votre plus beau Noël. C'était en 97. On a fait pas mal de sacrifices pour nos enfants. Quand le petit dernier a quitté la maison, avec ma femme, on s'est offert un safari en Afrique. Pour le réveillon de Noël, nous avons dîné à bord d'un petit avion. En regardant les zèbres et les éléphants se promener. Magnifique. Rachid? Je suis musulman. Je comprends. Père Noël, on vous écoute. Votre plus beau Noël? Pour moi, tous les Noëls sont beaux. Mais le Noël où Rudolph, mon reine préférée, m'a sauvé la vie, fut le plus beau des Noëls. J'aimerais que papa soit là avec nous. Oh, chérie, j'aimerais aussi. Comment tu t'appelles? Aurora. C'est un bien joli prénom. Mon père a décidé de m'appeler Aurora à cause de l'aurore boréale. Il dit que les lumières du Nord sont les plus belles lumières du monde. Je connais. C'est quelque chose de superbe. Mais toi, tu es encore plus jolie. Aurora, calme-toi et écoute-moi, mon trésor. C'est l'argent que veulent ces vilains messieurs. Dès qu'ils l'auront, ils s'en iront. Et nous pourrons rentrer chez nous. Vous n'en savez rien. Je ne mens pas à ma fille. Ah, tant mieux pour vous. Et puisque vous êtes aussi attachés à la sincérité, vous devez savoir que ce cher Père Noël n'a plus que quelques heures pour aller distribuer ses cadeaux par milliers dans le monde entier. Il est donc évident que tout ça devrait se terminer bientôt. N'est-ce pas? Exactement. N'oublie pas, Aurora, j'ai de nombreux cadeaux à livrer chez toi. Oh, 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 oh. Il n'y a qu'une seule chose, Père Noël, qui me ferait plaisir maintenant. Laquelle? Je veux être à la maison. Je veux rentrer. Il s'agit d'un engin explosif de fabrication artisanale. Excusez-moi. Je vais répondre à vos questions. Avez-vous oui des services à ce... Rich! Rich, écoute-moi. Ça a l'air délirant, mais Jimmy Scalzetti vient d'attaquer le centre commercial. Quoi? Oui, oui, et je me trouvais là à ce moment-là. Je vais venir. Bon, fais bien gaffe en arrivant. Ils sont en train d'installer des bombes et des pièges partout. J'amène du renfort. Le Père Noël existe. Voici Minus.
S'il est dans les toilettes, il va avoir une sacrée surprise. On met le feu. De devoir te retenir. Mais j'ai très envie. Hé hey, ouvrez cette porte. Hé hey, ouvrez cette porte immédiatement. Hé hey. Y a un problème? Ma fille veut aller aux toilettes. D'accord. On y va. Je peux l'accompagner. Vous restez ici. Vous, vous allez m'être utile. Rien. Simulus est un abruti. Quoi? J'ai dit, Simulus est un abruti. Ouais, j'avais entendu. Fallait bien faire sauter quelque chose. Ouais, fallait bien. Super. Super classe. Ah, ça me plaît, ça me plaît. Ça se passe bien ou ça se passe mal? C'est à vous de voir, les gars. Il devait être dans les toilettes pour dames. Allez, allez, en douceur, les gars, en douceur. Jetez vos armes par terre, mettez vos mains sur la tête. Doucement. Pose ça. Qu'est-ce que c'est? Ben quoi? J'ai mangé des faillots ce soir. Lieutenant Morgan, il faut que je vous parle. J'ai un homme en moins, alors j'imagine que vous avez sa radio. Rectification, quatre hommes en moins, Jimmy. Gardez les mains en évidence. Lieutenant, vous allez vite vous remettre en question. Et toi, t'aurais dû rester à la retraite. Là, t'es bon pour aller moisir au trou. Morgan, c'est Kat. Je fais partie des otages. Kat, écoute-moi. Ne te rebelle pas. Ne leur donne aucune occasion de te faire du mal. J'ai peur. C'est normal, chérie. Fais exactement ce que Jimmy te demandera. C'est un voleur, mais c'est pas un tueur. Vous vous leurrez, lieutenant. Ferme-la et écoute-moi, Scalzetti. Je te jure que si jamais il lui arrive quoi que ce soit, je te retrouve et je te tue. C'est bien compris? Alors, voilà ce que vous allez faire. Oh! Wayne, réponds. Les frères Dynamite, répondez. Personne ne répond. Je mets le feu!
Jimmy, tu dois envoyer tes chiens prendre des cours de dressage. Ils ont tous éteint leur radio. Et il y en a un qui vient de se faire exploser avec une grenade. Il nous manquera pas, c'était pas une lumière. Non, Wade. T'as toujours opéré avec classe, en professionnel. Des otages, des poseurs de bombes, des morts. Ça te ressemble pas, qu'est-ce que tu fais? J'ai téléphoné pour demander du renfort. Ils vont boucler le centre, fermer Michigan Avenue et envoyer un hélico. Tu vas finir en tôle. Et pourquoi tu crois que personne n'a jamais attaqué ce centre commercial? C'est parce qu'il n'y a pas d'issue. Ça, c'est mon problème, d'accord? Rendez-moi mon blé et je vous rendrai votre femme. Et les autres otages? Je les garde en réserve. Il ne leur sera fait aucun mal. Ça, c'est ce que tu dis. Mais t'as pas l'air d'avoir beaucoup d'autorité sur ta bande. Tu vois ce que je veux dire? T'es sûr de ce que tu fais? La ferme! Mais tu vas tout faire sauter, l'immeuble va s'écrouler! Donne-le! Avant de tous nous envoyer en enfer, fais-moi plaisir, préviens les autres, allume ta radio! J'ai pas de temps à perdre! C'est important, le patron va t'annoncer quelque chose! Qu'est-ce qu'il y a? Je veux que tu rappliques ici tout de suite. Cette ordure a tué Wayne! Ce sera pour plus tard, la vengeance. Oh, un peu de respect! C'était mon frère! Pourquoi on est ici? Pour le blé. Oui, voilà. Alors écoute bien. Où est ce blé? Il l'a planqué. Exact. Et si on veut récupérer le fric, c'est avec lui qu'il faut négocier. Alors ramène-toi maintenant. Il va sûrement m'abattre. Il osera pas tirer, j'ai sa femme. Oh. Je suis content que ça te fasse plaisir. Ramène-toi. T'as entendu? Hein? Il a ta femme! Oui, crétin. Merci, je suis au courant. Je me barre! Mais j'oublie pas ce que t'as fait à Wayne. Jimmy, la pré-retraite, t'as pas réussi? C'est vrai? Je me demande où t'es allé chercher cette bande de charlots. Morgan. Vous avez 2 minutes pour rendre le blé, autrement on se charge de votre femme. T'énerve pas, Jimmy, c'est pas ton genre. Mon genre? Mon genre, Morgan, c'est que si je n'ai pas mon blé, j'éventrerai votre femme comme une truie. C'est sa morue. Si tu savais combien je rêve de démolir ta petite tronche. Vous êtes malade? Je suis plus que malade. Va voir où sont les autres. N'éteins pas ta radio. Ça aurait dû être simple. Ça aurait dû être simple. Pourquoi tenez-vous tant à cet argent, monsieur Scalzetti? Pour quelle raison êtes-vous prêt à tuer? Et à mourir aussi? Est-ce votre fils? C'est l'enfant de l'école qui est très malade, n'est-ce pas? J'ai des enfants, moi aussi. Seriez-vous prêt à en faire des orphelins? Dans 59 secondes. Thank you.
Non, j'ai pas vraiment envie de te tuer. Seulement, moi aussi, j'avais demandé un coffre au Père Noël. Ça veut dire que l'un de nous sera forcément très déçu. J'ai déjà tout réglé avec Jimmy. Tout ce qui te reste à... C'est la deuxième fois. Et cette fois, tu vas crever. Vous êtes habile, Catherine. Je peux vous appeler Catherine ? Vous avez l'habitude de faire la conversation à vos victimes avant de les tuer ? Il vous reste 20 secondes. Vous faites confiance à votre mari ? Bien sûr. Votre femme a confiance en vous? Non, pas du tout. Ça m'apprendra à tomber amoureux d'une femme qui ne pense qu'à marier son rouge à lèvres et ses bijoux. 10 secondes. Cinq, quatre, trois, deux... J'ai ton fric! Gagné. Je suis prêt. On est d'accord? Tu n'es pas ton père. Mais je dois le faire pour lui. Tu en as déjà assez fait. Reste ici.
récupérer ce qu'ils voulaient, ils nous embêteront pas. Mais au cas où, je te donne ça. Il est chargé. Je t'aime, Kat. Oui, je t'aime, moi aussi. Va. Vas-y. Va-t'en. Allez, au boulot. Ouais, allô. Quoi? D'accord. Dynamite! La sortie sur Michigan Avenue! Mine-toi! C'est toi, l'ange, qui va nous délivrer. Relevez-vous. Détachez-moi les mains. Emmenez tout le monde au village du Père Noël et faites-vous discret. Vous savez où vous servir de ça? On pointe ce côté sur les crapules et on appuie sur la détente. Exactement. Jimmy, non, non, non. Ton arme, pose-la. Pose-la là-dessus. Tu vas regretter d'avoir repris du service. Tu vas retourner en tôle pour de bon. J'étais obligé, mon vieux, je n'avais pas le choix. On a toujours le choix. Mon fils souffre d'une leucémie. Une greffe de moelle osseuse s'impose. Sinon, il sera mort avant Pâques. C'est bouleversant, cette histoire. Les assurances, c'est fait pour ça? On n'a pas accès aux assurances quand on a fait de la prison. Ah, c'est dommage. Donne-moi ta main. Écoutez-moi. Oh, oh, oh. Il y a plus de 10 millions de dollars non numérotés dans ce coffre-fort. C'est plus qu'il ne m'en faut. Laissez-moi repartir avec un seul sac. On sauve la vie de mon fils et puis vous êtes le super-héros. Super-héros, c'est pas ce qui m'intéresse. Et quoi qu'il arrive, tu finiras en prison. C'est vous qui êtes en prison, lieutenant.
Il y en a assez pour deux, servez-vous. Je suis prêt à me contenter de deux. Personne n'en saura rien. N'hésitez pas, Morgane, sans argent, on n'est rien. Pour s'en sortir, on est obligé de magouiller. Soyez pas idiot, prenez le fric. Après tout, votre père l'a fait. Morgane. Non. Allô? T'es où? Qu'est-ce que tu fabriques? Je suis derrière toi. Tu t'es arrêté pour prendre un café ou quoi? Ils sont où les autres? Comment t'as fait pour entrer? Je suis malin. Oui, ben, fais gaffe parce qu'il y en a un autre quelque part par là. Un cinglé avec un sac plein d'explosifs. Tu parles de dynamite? Oui, je crois. Et alors? Oh, Richie. Où ça se passe bien? Où ça se passe mal? À toi de voir, Morgane. Donne ton arme. Ça veut dire que personne ne se pointera. Non. Tout le monde est sur l'attentat à la bombe. Tu sais? Celle posée par les adeptes de Lucifer. C'était Wayne et moi, crétin! Allez, avance. Avance! Comment t'as pu en arriver là, Richie? Toi et moi, on n'est pas obsédés par le fric. La sécurité des citoyens, c'est ça notre métier. Qu'est-ce que tu faisais ici? J'essayais d'arrêter des voleurs. Comment t'as su? C'est un hasard, je savais pas. Je m'étais disputé avec Kat. Je venais pour m'excuser, me réconcilier pour le réveillon de Noël. T'aurais jamais dû venir, t'as tout gâché. On n'a plus le choix. Mets le feu! Non, tu peux pas me tuer, enfin! Tu crois que ça me plaît? Si j'avais su que ça se terminerait comme ça, j'aurais pas accepté. Arrête, il est pas trop tard! Si, si. Richie, tu ferais pas une chose pareille? Je suis ton partenaire! Je t'ai pris comme témoin à mon mariage et tu es le parrain de ma fille! Ça n'a rien à voir avec tout ça. Tu le sais, c'est la réalité de Chicago. Comme disait ton père, il n'y a que deux choses réglo dans cette ville, les combats de boxe et la roulette. Il le disait pour avoir bonne conscience, parce que c'était un pourri, un flic corrompu. C'est toi le pourri. Oh mon Dieu, mais qu'est-ce que je fais? Kat, c'est toi? Oui. Tu m'as sauvé la vie, chérie. Maintenant, sors d'ici. Je partirai pas sans toi. Hé, Brzezinski, où t'en es? Tout va bien, Jimmy. On y va. Non, attends mon signal. T'aurais dû écouter ton mari, Kat. Vas-y. Kat!
Kat! Pas un bruit, c'est clair. Avancez. Allô, ici le lieutenant. J'entends rien. Allô? Allô? Passe-moi les plans. Cette partie est impraticable. Dans à peine 7 minutes, la dépanneuse arrivera au fourgon. Demi-tour vite!
descendez. Allez, grimpez. Morgan de la brigade criminelle de Chicago. Je suis en opération dans le réseau souterrain du centre commercial. Je suis à la poursuite d'un homme armé. J'aurais besoin de... Allez, avancez, avancez. Où il est? Oh. Là? Ça va? Oui. De l'écriture? Oui, ça va. Alors? Toujours rien. Je crois que je vois rien. Doucement! J'entends quelque chose! Là? Les mains en l'air! Pas un geste! Bouge pas! Ou ça se passe bien, ou ça se passe mal, Jimmy. À toi de choisir. C'est fini! Il faut accepter de perdre. Dépose ton arme. Pense à ton fils. Anthony a besoin de toi. Ah!
Les secours sont en route. Tout ira bien, Jimmy. Je l'ai fait pour mon fils. J'aurais donné ma vie pour lui. Nous faisons les examens nécessaires. Nous avons peut-être un donneur. Quand sera-t-il opéré? C'est que ce n'est pas aussi simple, lieutenant. Nous avons un donneur compatible. Nous pourrions opérer, mais... Mais quoi? Eh bien, pour être sincère, c'est la question financière qui reste à étudier. Comment ça va? Lieutenant, j'aimerais prendre quelques photos. Lieutenant! À vous de me le dire. La conclusion de l'enquête dit que la fusillade était inévitable. Et la plainte déposée en justice? Et le patron s'en occupe. Il va tout régler. Ce serait la moindre des choses. Mmh. Ah, j'allais repartir avec. Oui. J'ai ceci à vous remettre avec les compliments de la compagnie d'assurance. Je n'y peux rien. Je suis vraiment désolée. Si on m'accordait un délai, peut-être... Ça pourrait être envisageable. Vite gagné, vite dépensé. Bravo et joyeux Noël, capitaine Morgan. Merci, chef. Joyeux Noël à vous aussi. Joyeux Noël, mon cœur. Joyeux Noël. Capitaine. Je vous invite tous à faire une prière. Pour Jimmy Scalzetti, Rich Brzezinski et tous ceux qui n'auront pas la chance de fêter Noël cette année. Remercions le Seigneur pour tout ce qu'il nous donne et pour sa précieuse bénédiction. Amen. 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 Allez, j'ai faim. It came upon the midnight clear, that glorious sun.